The public, please stand. The public be seated, please. Veuillez vous asseoir. Today, in the name of the Cambodian people and the United Nations, et de l'Organisation des Nations Unies, et en application de la loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Cambodge démocratique, And by the royal crown par décret royal 1004/006 en date du 27 octobre 2004, la chambre de première instance déclare ouverte l'audience initiale dans l'affaire 001 relative à Kang Kyo, alias Dok, who has been charged with crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Convention, des violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949 et des violations du code pénal cambodgien de 1956. The bench is composed of judges. La chambre est composée comme suit. The president, moi-même, Mrs. Non, président, Madame la juge Sylvia Cartwright, Yasukon, Monsieur le juge Yasukon, Monsieur le juge Jean-Marc Laverne, et Monsieur le juge Toumoni, son juge suppléant, Monsieur Yu Otara Fence. Et Madame Claudia Fence. This first hearing cette première audience the realization représente l'aboutissement d'efforts importants visant à établir un tribunal équitable et indépendant pour juger les hauts dirigeants et les personnes les plus responsables des violations du droit pénal cambodgien ainsi que de crimes relevant du droit international et commis au Cambodge entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. This is also the first internationalized trial to give effect to a wide-ranging regime of victim participation. It presents a unique opportunity to enable victims to take a full part in the trial. Et c'est une occasion unique de permettre aux victimes de participer à part entière au procès. Les CETC s'acquitteront de cette mission tout en prenant pleinement en compte les exigences d'un procès équitable et mené dans des délais raisonnables. La présente audience, le présent procès plutôt, commence par l'audience initiale d'aujourd'hui et sera suivie par l'audience au fond dont la date sera fixée ultérieurement. À l'occasion de l'audience initiale, la Chambre va examiner les demandes de constitution de partie civile ainsi que les mesures de protection dont ces parties civiles ont demandé à bénéficier.
Sorry, it will also consider any preliminary legal and procedural issues, including a motion filed by the co-prosecutors, the list of new documents and exhibits proposed by the parties, and the list of witnesses and experts to be heard at the trial. Qui seront cités à comparaître. Neither the accused, à la présente audience initiale, ni l'accusé, ni les témoins, ni les experts, ni les parties civiles ne prendront la parole sur des questions de fond. Following the initial hearing, the president, in consultation with the trial chamber, will fix the date of the substantive hearing. During the substantive hearing, the trial chamber will consider les pièces the evidence ont été versées au contained dossier. In the case file. The accused person, l'accusé, witnesses, les témoins, experts, les and the civil party may testify or make statements orally during this part of the trial. Pendant cette partie du procès. The greffier, have you already examined the identity of the parties as prescribed in the internal rule already? Conformément au règlement intérieur. Le greffier, oui, l'identité des parties a été constatée, vérifiée, et ce document sera joint en annexe à la note d'audience. The list of the parties who are present or not present will include or attached in the transcript. Sera donc jointe à la note d'audience. This hearing, I have mandated pour la présente audience, j'ai confié au juge composant la chambre to be in charge la tâche of de conduire différentes parties de l'audience. Before beginning proceedings, according to Rule 23.7(1) du règlement intérieur, the trial chamber would like to invite each national lawyer for the civil parties to proceed to request recognition of each of the foreign lawyers. Please, Miss T. Srina, make your request for recognition of your foreign colleagues. Veuillez vous présenter votre avocat, votre confrère étranger. Slatambong. Nang som group lok chakram. Your Honours, the trial chamber judges, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, I am T. Srina, je m'appelle a national T. lawyer, je suis avocate cambodgienne, and I would like to request for the recognition of my foreign colleague, Mr. étranger. Il s'agit de Maître Karim Khan, Maître Alain Werner et Maître Brian McGonigal. Ils sont donc mes co-avocats pour le groupe 1. Thank you very much. Merci. Next, le I would like to invite Mr. Hong Kim Soon to make your request Hong Kim Soon for recognition of your foreign colleagues ses co-avocats étrangers. For civil party law, group 4. Maître Hong Kim Soon. Mr. Hong Kim Soon, your honors, the Monsieur trial chamber le judges. Président, Madame, Messieurs les juges. I am Hong Kim Soon. Je m'appelle Hong Kim Soon, je suis l'avocat cambodgien pour les parties civiles dans le dossier 1. In our group, there are
Mr. Kongpisei, I myself, Mr. Jung et mon groupe est composé de moi-même ainsi que de Maître Jung Panit, Maître Kongpisei et Maître Studzinski. Lawyer, so we have four avocate étrangère, quatre personnes, donc so pour le groupe deux, je vous demande d'accréditer. Merci. Le président. Two of the lawyers have had already thought that recognition from the chamber in the tribe management meeting. So l'avocat étranger a déjà été accrédité à l'occasion de la réunion de mise en état et nous pouvons donc vous confirmer que recognition has already been granted in the previous proceeding and now pour la présente procédure. We can confirm such a position. So in group number four, some of the lawyers take part in both in group 2 and group 4. Maître Hong Kim Soon, vous êtes avocat pour le groupe 2, vous êtes aussi avocat pour le groupe 4 et vous n'avez pas présenté vos confrères étrangers pour ce qui est du groupe 4. Maître Hong Kim Soon, oui, merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais informer la Chambre, effectivement, que nous comptons au sein du groupe 4 un avocat étranger, Maître Pierre-Olivier Sûr, dont nous demandons l'accréditation. We would like to invite the national lawyer, Ms. Mojka Savanari, le président, merci. J'invite maintenant Maître Mot Sowanari à présenter ses co-avocats étrangers. Maître Mot Sowanari, the national lawyers in group 3. Pour le groupe 3. Your Honours, Monsieur le Président, Messieurs les juges, merci. My sincere respects to the bench and parties in this proceeding. I am Kim Ming Ki on behalf of je group 3. I am the national lawyer. Partie civile, je suis avocat cambodgien. I would like to my colleague Ms. Moj Savanari also takes part in the group we have four international Maître Kim Meng Ki et Maître Mok Sowanari sont les deux avocats cambodgiens pour le groupe 3. Et pour ce qui est des co-avocats étrangers, nous avons au sein du groupe 3 Maître Martin Jacquin, Maître Philippe Cannon, Maître Annie Delahaye et Maître Elisabeth Rabesandratana. Including Mrs. Rabesandratana and Mr. Cannon, Maître Cannon et Maître Rabesandratana ne sont pas présents aujourd'hui. In our group, nous représentons 28 parties civiles. Here we have only four lawyers and 15 civil parties. Mais aujourd'hui, ne sont présents que 4 des avocats et 15 des parties civiles appartenant au groupe 3. The trial chamber would like to invite Mr. Pierre Olivier Sour, Mr. Alain Winner, Maître Alain Brian Werner, Maître Sûr, Maître McGonagall, Khan and, Maître Khan et Maître Delahaye à se lever. Look, Pierre Olivier, Alain Werner, Mr. Pierre Olivier Sour, Mr. Alain Winner, Maître Werner, Mr. Brian McConaughey, and Mr. Karim Khan, and Ms. Annie Delahaye. Maître Khan et Maître Delahaye, are recognized vous êtes maintenant by this trial accrédités par la Chambre de première instance en tant qu'avocat des parties civiles of the trial proceedings before this chamber. Pour la procédure ouverte devant la Chambre. You enjoy the same rights and privileges à ce titre, as a national lawyer. Vous bénéficiez des mêmes droits et privilèges que les avocats cambodgiens. Je vous invite à vous rasseoir. Nous pouvons poursuivre. The trial chamber will raise the issue of the preliminary objections and relevant legal issues. Des questions de droit pertinentes. That is the first issue of the agenda. Point 1 de l'ordre du jour. That needs to be discussed and presented to the hearing. De la présente audience. Objections.
The chamber would like to commend this initial hearing, allowing the parties to raise any preliminary objections. According to the provisions of Internal Rule 89, at the initial hearing, a party can raise any preliminary objection concerning the jurisdiction of the chamber, any issue which requires the termination of the prosecution, and the nullity of procedural acts made after the indictment is filed. Failure to raise any preliminary objections at the initial hearing shall render them inadmissible. After a preliminary objection has been raised by a party, the chamber will afford the other parties the opportunity to respond to the application. Une partie, la chambre donnera la possibilité aux autres parties de répondre. As appropriate, the chamber will dispose of any preliminary objection either during the initial hearing, immediately following the initial hearing, or at the same time as the judgment on the merits of the case. When the chamber decides to dispose of a preliminary objection at the same time as the judgment on the merits, the proceedings will then continue. During the trial management meeting held on the 16th January 2009, the defense indicated its intention to raise a preliminary objection during the then forthcoming initial hearing. Subsequently, by written decision issued on 22nd January 2009, this chamber directed each existing party of the proceedings if they intend to raise any preliminary objection de déposer auprès de la chambre with the court an outline of arguments of such objection by 28 January 2009. With the same direction, the chamber also directed any civil party applicants if they intend to raise any preliminary objection, s'ils avaient l'intention de also to put the outline of arguments by 10 February 2009. Accordingly, on 28 January 2009, the defense team for the accused person filed its outline of arguments for a preliminary objection with regards to the applicability of statutory limitations to national crimes. No other outline of arguments was received from the remaining parties to the proceedings within the prescribed deadline. In a sense, the defense contends that statutory limitations have entered into effect with regard to the charge of violations of the Cambodian Criminal Code of 1956, contained in the closing order and indictment against the accused. The defense, in particular, requests that the chamber allow it to join the arguments on the merits of the preliminary objection together with a discussion on the substance of the case. The chamber agrees with the request by the defense in consideration of the particular nature of the preliminary objection. Accordingly, the only issue for determination is the admissibility of the preliminary objection the defense intends to raise. The chamber considers that the preliminary objection is admissible. La chambre considère en l'espèce que cette exception préliminaire est recevable. This is about the preliminary objection that the trial chamber received. Voilà donc pour la seule during the set qui a été date on la the acceptance of the preliminary objection, which has been filed by the defense of the accused. Déposée par la défense et qui est déclarée recevable par la chambre. The preliminary objection on the statutory limitation. Exception qui porte sur la prescription de l'action publique pour les crimes. And while awaiting response from the trial chamber, there has been no other submission or response to that preliminary objection. Mémoire déposée. Now the trial chamber would like to ask the relevant parties if any party wish to make any suggestion or arguments to the contrary à ce stade to the objection raised by the defense of the accused. Notamment des objections à l'exception préliminaire
de la défense. Please, the co-prosecutors. Je donne la parole pour commencer au procureur. The floor is yours. Chia Liang. On behalf of the prosecution, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, au nom des co-procureurs, je peux vous dire que j'ai reçu l'exception préliminaire de la défense. Although the co-prosecutors have not responded, written a submission, les co-procureurs n'ont pas présenté de mémoire d'écrit aux exceptions préliminaires et nous n'objectons pas pour l'instant aux arguments contenus dans l'exception préliminaire. Are there any suggestions or disagreements on the preliminary objection raised by the defense team? De l'équipe de défense. For the accused. But after having heard the speech by the co-prosecutor on the admissibility of the preliminary objections by the defense, the chamber would like to declare that the preliminary objection raised by the defense is admissible. The chamber will decide on the preliminary objection at the same time as the judgment on the merits. The chamber will issue in due course further directions to the parties in connection with this matter. These directions will include directions ces directives comprennent les arguments à les parties sur la manière de présenter leurs arguments. This is in respect to the preliminary objection that has been raised. Ceci donc concernant l'exception préliminaire qui a été soulevée. Next, we talk on the next item of the agenda. It's the relevant legal issues. Il s'agit des questions de droit pertinentes. By order dated 11 December 2008, the chamber requested the parties to file an indication of the legal issue, if they have any, they intend to raise at initial hearing. In their submissions accompanying the filing of their proposed witnesses and experts list dated 19 December 2008, the prosecutors stated that at this stage they were not in a position to indicate any legal issues they intend to raise at the initial hearing, but following the trial management meeting they would be able to notify the chamber of any outstanding issues they intend to raise. Further to this, the chamber will now like to inquire with the co-prosecutors as well as with the other parties whether they have any outstanding legal issues that they intend to raise. First, the trial chamber would inquire with the co-prosecutors whether they have any relevant legal issues to raise at this stage. Please, the international co-prosecutor. La parole est au co-procureur international. Honorable judges, counsels, Monsieur Robert parties. Petit. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, I would like to accept this opportunity to advise the trial chamber that although at this hearing we do not intend to debate or to raise any legal issue, we would like to take this opportunity to advise the trial chamber and the parties that at trial, during the proceedings, the co-prosecutors intend to invite the trial chamber to consider the applicability of the concept of joint criminal enterprise to the proceedings against the accused. De la criminelle commune ici pour la présente procédure. As I said, I don't think this is the proper forum to debate the issue, but we want to advise in advance the trial chamber that we prévenir dès maintenant la chambre this concept to be applicable que ce concept to the proceedings before this chamber à la and procédure indeed before this court, devant la chambre, devant les CETC, that this concept nous pensons represents que la notion d'entreprise criminelle commune by the facts as they are laid out in the case file, étant donné les faits contenus dans le dossier, that more specifically nous pensons que plus précisément
the so-called category 1 and 2 of les joint criminal enterprise 1 et 2 de l'entreprise criminelle commune will allow the trial chamber et qu'elles permettront à la chambre de première instance of the culpable liability of the accused la culpabilité et la nature de la culpabilité de l'accusé. We further submit that the trial chamber nous soutenons aussi que is la indeed chambre bound by the factual basis within the case par file, les faits contenus dans le dossier, but is, however, free to interpret mais qu'elle a le loisir the law, d'interpréter to le apply droit, it, de l'appliquer and to legally characterize et any facts contained de décider des qualifications therein. Juridiques des faits contenus dans le dossier. This independence, and indeed this duty, c'est là une prérogative et un devoir de la Chambre qui signifie que la Chambre n'est pas liée par les décisions antérieures rendues par la Chambre préliminaire sur ce point. We will further argue nous dirons aussi, avec tout le respect voulu à la Chambre préliminaire, qu'il s'est trompé dans son évaluation de l'applicabilité de la notion commune à la présente procédure. And as I said, we will invite the et comme je le disais, nous inviterons la Chambre de première instance in considering the applicability à of this examiner to the proceedings. La question de savoir si l'entreprise Thank criminelle you. Commune s'applique ici. Merci. Le Président, je vous remercie. Thank you, the co-prosecutor, for raising this legal issue. Next. I would like to invite the co-lawyers of the accused, je if you have any legal issues la pour to raise at this si stage. Des points de droit que vous souhaitez soulever à ce stade. What is yours? Merci, Monsieur le Président, et Thank you, Mr. President. Madame et Messieurs les juges, Your Honors. Madame et Messieurs les procureurs, Madame, the Mesdames et Messieurs les avocats des parties civiles. And the counsel for the civil parties. La défense souhaite informer la Chambre the defense wishes to inform the chamber de ce qu'elle soulèvera lors de l'instance au fond during the substantive proceedings le problème juridique with regard tenant to legal issues. À la longueur de la détention provisoire de l'accusé. Of the accused. La défense rappelle the defense que M. Kengek Av that Mr. Kankuk aura été maintenu en détention will have been provisoire in detention, in provisional detention, pour une durée totale for a total de 9 années, of 9, years, 9 mois 9 months, et 7 jours and à la date d'aujourd'hui, up till today, dont plus de 8 années this means more passées than au centre de détention in the detention center près le tribunal militaire de Phnom Penh. The Phnom Penh Military Tribunal. La défense persiste à dire que the cette situation n'est pas acceptable. This situation is unacceptable. Ce point a déjà été soulevé this devant la chambre préliminaire. Je rappelle qu'à l'invitation de la chambre préliminaire, as un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont été invitées à déposer des rapports d'amicus curiae briefs, et la majorité de ces organisations non-gouvernementales ont rappelé le principe mentioned dura lex, the sed lex, principle of dura la loi lex, sed lex, est dure, mais c'est la loi. The law is hard, but it is the law. On ne peut pas maintenir en détention une personne person plus de trois années en droit cambodgien. For more than 3 years on that organization law, as these organizations recalled, aurait dû être remis en liberté. Have been released. La chambre préliminaire the n'a pas suivi chamber
ni ces organisations non gouvernementales ni la défense, mais elle a indiqué que la question devrait être à nouveau posée should be raised devant votre again chambre before the trial chamber. Et la défense indique aujourd'hui respectueusement and the que, defense bien entendu, respectfully submits today lors des débats au that fond, during the substantive cette question sera à nouveau this posée. Matter will be raised again. Je vous remercie. Thank you. Thank you, the lawyer for the accused. Je remercie la défense for raising issues concerning the detention qui soulève un point relatif à la détention provisoire de l'accusé. I would like to invite the civil party lawyers les avocats des parties civiles to raise if they have any legal à dire issues s'ils souhaitent soulever des points at de this droit stage à ce stade. The floor is yours. Je vous en prie, dit président. Mr. President, Your Honours, good morning. Monsieur le président, Your Honours, madame, no messieurs les juges, bonjour. Monsieur le président, il n'y a pas de point très précis que nous ayons à soulever au nom des parties civiles, groupe 1, dont je fais partie. Mais en temps utile, naturellement, nous souhaiterons répondre à la requête présentée par les coprocureurs, requête qui porte sur la notion d'entreprise criminelle commune. En effet, à ce stade, je ne suis pas sûr de comprendre sous quelle règle ce point serait soulevé. Il y a un principe directeur, cependant, qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que lorsque l'on envisage l'insertion, l'introduction d'une nouvelle forme de responsabilité ou de participation, et ceci sera considéré au fond, il est essentiel pour les partis que je représente que toute décision prise n'entraîne pas de retard de la procédure. Naturellement, les juges se souviendront de la norme de droit international humanitaire qui est reprise dans de nombreux instruments, ainsi que le droit de la défense à être notifié de ce genre de point. Et je voulais donc le signaler à ce stade de la procédure. Pour ce qui est de l'intervention de la défense, à savoir qu'une demande de mise en liberté provisoire va être présentée en temps utile. Là aussi, nous attendrons de pouvoir répondre sur le fond, mais je dirais dès maintenant que la prémisse doit être le temps passé par une personne, passé en détention par une personne en rapport avec la procédure en cours. Or, la période précédente de détention de l'accusé n'était pas en droit contraire au principe de délai raisonnable. Je ne vais pas ici rappeler les normes de droit international et la jurisprudence de Strasbourg ou de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais nous attendrons le moment venu pour répondre à ces arguments sur le fond si la Chambre nous y autorise. Voilà donc, Monsieur le Président, ce que nous souhaitions dire à ce stade. Thank you, the lawyer, the president. Je vous remercie. I would like to invite the civil party lawyers. Je voudrais demander aux avocats des parties civiles s'il y a d'autres points de droit à soulever at this stage of the à ce proceedings. Stade de notre please, audience. The floor is yours. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, pour le groupe de défense numéro 3 des parties civiles, j'irai dans le même sens que mon confrère. Et nous nous réservons, nous souhaitons pouvoir répondre à chacun des mémoires qui sera déposé par les coprocureurs ou par la défense, et bien évidemment en particulier sur le problème de la détention provisoire. Et en particulier en connexion avec l'issue de la joint criminal enterprise. Merci. Thank you, Madame Lawyer. Next, I would like to invite
the civil party lawyers in other groups. Les avocats des parties civiles. If you have any other relevant legal issues to raise à évoquer, at this stage of the proceedings, the floor is yours. Vous avez la parole. Good morning, Your Honours. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Au nom de mon groupe, je dirais qu'il n'y a pas de point de droit à évoquer en ce moment. Nous réservons le droit d'intervenir après déposition de tout mémoire de la part des autres parties en temps utile. Merci. The President. Monsieur le Président, je m'en rapporte à ce qui a été dit par mes confrères concernant le problème de la détention provisoire. Ceci, qu'à ma connaissance, like say, il n'y a aucune jurisprudence de Strasbourg qui libère Strasbourg qui que ce soit pour un problème de détention provisoire qui aurait duré trop longtemps avant le unduly procès. Long provisional detention prior to a trial. Thank you, Your Honours. The President, thank you, the lawyer, for your remarks. Je vous remercie. Next, I would like to invite other civil party lawyers who intends to raise any relevant legal issues. Soulever des points de droit. If you have any legal issues to be raised at this stage, ont-ils de if there are no issues to be raised, I would make some remarks on the je legal issues that have been raised so far. Commenter also les the points issues qui ont été raised by the co-prosecutors and the defense team, particulièrement par les co-procureurs et l'équipe de la défense. The next item on our agenda is the agreements on facts. Et maintenant, nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui concerne les faits sur lesquels il y a accord. By means of correspondence previously addressed to the parties, the Chamber indicated that it welcomes submissions from the parties on uncontested facts or an indication or evidence that supports these facts. De preuves et de documents étayant ces faits. La Chambre souhaite réitérer no que ce genre chamber, de concordance entre les parties sur les faits n'aura aucun effet contraignant à l'égard de la Chambre pour ce qui est de la conduite de cette procédure et en particulier pour ce qui est de l'évaluation des preuves. The sole purpose ces to allow the trial chamber to organize and prepare to approach the facts and the evidence relating to the case. Serviront simplement à permettre à la chambre indeed, the chamber wishes to stress the possible relevance and impact of any agreement of facts reached by the parties sur l'éventuelle pertinence et l'éventuel impact de cette entente, to the list of proposed witnesses and experts as well as on a list of new documents. Autour de la décision de la Chambre concernant la liste proposée during the de trial management meeting, la liste des nouveaux documents. La Chambre various references que were made, la réunion de mise particularly en état, il a été fait référence by à co-prosecutors moments, en particulier an ongoing dialogue with the defense, à un dialogue which en cours, included un dialogue the possibility for these parties to reach a common agreement on certain issues of fact. Parvenir à une position commune ou à une by entente, the direction une issued on the 5th February 2009, the Chamber directed the co-prosecutors and the defense to file by 12 February 2009 any information on agreements on facts that they may have reached. Further to this direction, both the co-prosecutors and the defense filed separate responses indicating that although the co-prosecutor has, on the 30th January 2009, proposed for agreements to the defense a list of 351 facts, to date no agreement has been reached on those facts. Il n'y a aucune entente. However, the defense has indicated that
Ce nonobstant, la défense a fait savoir qu'elle est en train de passer en revue les différents faits soumis à son accord éventuel par les coprocureurs et que la défense fournira une réponse le plus tôt possible et en tout état de cause avant l'audience au fond. La Chambre prend note de ces dépôts de ces procureur et de la défense, to invite all parties to provide an update of whether they have managed to reach any relevant agreement or whether they intend to do so in the foreseeable future. Des discussions ou des concordances éventuelles ou bien de nous informer de toute intention d'aller en ce sens dans un avenir prévisible. Which are relevant to all the concerned parties. Y a-t-il une partie qui souhaite intervenir concernant une concordance autour des faits telle que admissible pour toutes les parties, comme il a été dit antérieurement? Do the co-prosecutors have any comments on the agreements on facts? Ont-ils d'une intervention à faire concernant les faits en question? Simply to indeed confirm, merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement confirmer que nous avons from the defense, effectivement, as you have seen from the attachment that we have provided, une concordance sur ces avec la défense, vous pouvez voir extracted from the closing order. Qui sont des extraits de l'ordonnance de clôture. Very much mindful that any such nous avons bien conscience de tout, que toute concordance à ce titre n'a aucun effet contraignant, comme le Président l'a fort bien dit, mais que cette concordance permettra d'orienter les débats. Nous avons considéré ces différents faits, 351 paragraphes, représentent ces différents faits et que l'évaluation de ces faits continue de se poursuivre et que nous cherchons à diligenter ce processus. The President. Do the co-lawyers or the accused have any comments or suggestions in response to the agreements on facts concernant cette concordance autour de certains faits? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Conformément à l'information que nous avons donnée à la Chambre, pursuant to the information provided by us to the Chamber, we would like to confirm that this work is ongoing. It's an extremely fastidious kind of job, as you can well imagine, and we wish to finalize this work as stated prior to the continuation of the trial, that's to say, to the substantive hearing. We are confident that we shall be able to make good progress in the next few weeks. Weeks together with our colleagues from the co-prosecutor's office. We are following the same approach, which is to come up with a proposal for the chamber. And it is the chamber, of course, that will donc dans la démarche de reach proposer the à la relevant chambre decision. Toutes les concordances but qui our apparaître. Business is to provide the chamber with any points je of agreement on facts. Thank you. Et je vous indique qu'avant de quitter ce chapitre, like la défense say, way, souhaitera encore subject, demander la parole. I think the defense would like to take the floor again at some later stage on the same item. Thank you. Merci, dit le président. Please next advise the civil party lawyers if you have any comments to be raised in respect to the agreements on facts. Et s'ils ont quelque chose à dire concernant ces faits matière à concordance. Please, the floor is yours. Vous avez la President, Your Honours, on behalf of Civil Party Group 1, mesdames et messieurs les juges, au nom du groupe des partis civils numéro 1, nous n'avons rien à ajouter sur cette question. Très respectueusement, je dirais que cette question concernait au premier chef les coprocureurs et la défense. Je n'ai pour ma part rien à ajouter pour l'heure. Merci. Merci, dit le président. The president. If there are no other suggestions or comments to be made regarding this issue.
sur the cette chamber question. Would like to inform that the live feed will be stopped now. Chambre souhaite the chamber would like to inform the media now the live feed will be stopped. La transmission and we will have a 20 minutes break. Nous to allow all recording equipment to be removed. Pour permettre the call will d'enlever les différents équipements. 10 a.m. Nous reprendrons la séance à 10 heures. Please, participants and other public, mesdames et messieurs les participants, return to their seats mesdames et messieurs les membres by 10 a.m. Je vous prie de bien vouloir now être à votre place à 10 heures. Nous avons donc une suspension de 20 minutes. The public, please stand. Vous êtes prié de vous lever. Bah, thank you, please be seated. Merci, vous pouvez vous asseoir.